Médecins sont soucieux de leur formation continue. C'est un impératif pour rester en phase avec les progrès de la médecine et garantir des soins de qualité. Le sujet est au centre des 9e journées des médecins qui viennent de s'achever à Bobo-Dioulasso. Idrissa Ouarga, Kadou Roumène, qui. Système de santé au Burkina Faso. Formation médicale et apport du médecin burkinabé pour des soins de qualité aux populations. C'est sous ce thème que l'Ordre national des médecins du Burkina Faso célèbre les 9e journées des médecins. C'est vraiment la formation du médecin. Si le médecin ne se forme pas pour maintenir ses compétences, pour acquérir de nouvelles compétences en fonction de l'évolution de la médecine, de la technologie et des différents besoins, il y aura un décalage à un moment donné. Se former pour une meilleure qualité des soins. Le thème est intemporel pour reprendre les propos du premier responsable en charge de la santé. Le ministre Smaïla Ouédraogo, qui souhaite également que l'on adapte la formation universitaire des médecins à la pratique sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons dépassé les cadres classiques de former pour former. Il faut que ce qu'on forme corresponde à ce dont on a besoin. Si nous avons besoin d'un médecin qui, à la sortie, doit être à mesure de faire une césarienne, il va falloir que nous développions donc des conditions pour pouvoir avoir ce produit à la fin, pour ne pas se retrouver avec un médecin qui, après être engagé, va s'absenter pour 6 mois pour faire quelque chose qu'il aurait pu faire. Cadre d'échange et de partage d'expériences, ces journées se veulent donc une opportunité de formation continue des médecins, avec en filigrane l'amélioration du système de santé au Burkina Faso.